Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de vlog. Je parle à ma caméra mais je peux pas te vlogger parce qu'il y a tes petites fesses à l'air. Comment? Non, du tout. Je ferai en sorte que je te vois pas. Bon, aujourd'hui c'est particulier. Parce que je vais aller me faire arracher les dents et peut-être je vais mourir. Alors entre se faire arracher les dents et mourir, tu crois qu'il y a un monde? Mais comme je vais faire une anesthésie générale et qu'on va faire beaucoup de choses dans ma bouche aujourd'hui, peut-être que je vais pas me réveiller. Noémie, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Peut-être que t'as failli mourir hier, donc au pire, t'as gagné une journée. Hier, il y a eu apparemment, il y a eu des tirs à l'Arbre d'Asneves en haut chez moi. Et en fait, au moment où on est parti, mais genre 30 secondes après qu'on ait quitté l'Arbre d'Asneves, c'est ça? Ouais. 30 secondes après, on a entendu les tirs et on s'est posé la question. Qu'est-ce que ça peut être? Et d'ailleurs, Noémie a fait une super blague à ce moment-là. On s'est posé la question, est-ce que c'est des tirs ou quelque chose qui est tombé? C'est des bruits bizarres. Moi, je pensais que c'était des tirs. Et alors, c'était quoi la blague, Noémie? T'as dit que si c'était des tirs, on aurait entendu des gens crier. Ah oui, j'ai dit si c'était des tirs, on aurait entendu des gens crier. Ce à quoi Noémie a répondu, sauf s'il n'y avait que deux personnes. Et que l'un des deux est mort. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Il faut que je fasse un petit peu la commère. Mais merde, je pourrais pas parler pendant deux jours, comment je vais faire la commère? Sur WhatsApp. Je vais faire la commère sur WhatsApp pour essayer de savoir, je vous dirai ce qui s'est passé. Et donc là, je dois prendre des médicaments pour aller me faire arracher les dents et faire une anesthésie générale. Et tu sais ce que c'est ma peur? C'est qu'une fois, j'ai une copine, on lui a fait une anesthésie générale, mais elle a tout senti la douleur, elle était réveillée dans son corps, mais son corps était endormi, mais elle sentait les choses. Ouais. Elle m'a donné un traumatisme. Et du coup, il y a des traumatismes. Pourquoi tu penses à ça? Non, hier j'ai commencé à angoisser dans mon lit, j'avais la boule au ventre parce que je pensais à ça. Mais je me suis dit, elle a plutôt peur de mourir et de non, pas me réveiller. Tu dis bien ce que tu viens faire. Parce que souvent, elle va pas chez dentiste, elle va pas lui opérer. Ouais, la chose. Si ça se trouve, elle va lui enlever les mauvaises dents, tu vois. Non, mais c'est ma dentiste à moi qui va m'opérer. Qui me connaît, qui sait quel travail elle va faire. Rappelle-lui quand même. Ouais, je vais dire, bien, tu sais, tu dois m'arracher ça là. Ouais. Que você vai ficar fora da geladeira, vou comprar. Não sei. Não sei. Mas a gente não pode colocar nesse lugar. Não. Não é uma solução. Sim, mas. Ah, aqui. Tá bom. Tá bom. Então. Falando de um jogo, foi por Paris. Tipo, sabe aquela coisa de festa quando as pessoas dizem assim: ah, vou fazer uma festinha na minha casa, traga o que você quer beber? Você já percebeu isso aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil tem isso assim: ó, você faz a festinha, você faz os crepes, faz os bolos, né? Oferece para as pessoas. Mas aí, como você não sabe o gosto de cada um, você não vai comprar refrigerante, suco, cerveja, chopp, cunhaque, você não vai comprar. Então, você dá, cada um traz a bebida que quer. Então, se eu quero beber um mate, eu vou levar esse mate, eu vou beber esse mate. Du coup, aujourd'hui, on est un nouveau jour et c'est le premier jour après ma chirurgie. Alors, je t'ai pas fait de vidéo hier, mais j'aurais pu. Je vais pas te raconter tous les détails là maintenant dans ce vlog parce que depuis, j'ai pu faire une vidéo qui expliquait tout. Et comme tu le vois, on ne voit pas trop que j'ai des points de tous les côtés dans la bouche. Jamais plus pour que tu crailles dans vos vins d'argent. Là, il y en a plein là. Ouais, j'ai vu là, ça fait comme ça. Ah, c'est un peu dégueulasse. Ça donne pas envie. Tu sais que Léandro, je lui dis ouais, ce week-end, si t'as envie de faire ta vie, y a pas de problème, tu vas rester calmement à la maison. Mais je crois que tu vas venir à la maison, tu vas regarder des films. Et là, ça commence à te réveiller la douleur ou ça va toujours? Non, j'ai toujours la douleur. Mais j'ai toujours la douleur. Par contre, on sent que tu ne peux pas vraiment articuler quoi. Ouais, parce qu'en fait, là, je sens que ça me fait ça. J'allais dire un truc, ça va. Tu pourras le dire après. Bon, voilà, je voulais juste te montrer ma vie. Et je suis venue manger un açaï parce qu'en fait, les açaïs, c'est les trucs auxquels j'ai droit. Je peux manger du froid. Et en vérité, comme ça se passe bien, je pourrais remanger normalement, mais j'ai un tout petit peu peur que ça s'infecte, je ne vais pas prendre de risque, donc le premier jour, je vais rien manger. Et du coup, voilà, je vais te montrer la misère de ma vie avec ma belle-sœur. Et elle a mangé des pains tous les jours et moi, j'ai pas tout faire en fait. Tu peux manger des pains de queijo, d'açaï, tout.
des gâteaux. Et moi rien. Voilà ma vie. RE, je rentre à la maison. Et là, je suis en train de Oui, Sandra. Et je suis en train d'expliquer les paroles de cette chanson à Sandra que j'adore. C'est une chanson de Féloche. J'ai pas mal à ma bouche, ça va. Juste, j'ai encore l'anesthésie. Elle m'a fait une anesthésie très forte. Je l'ai très gercée. Ouais, je pense qu'il est bizarre pour moi, c'est le fait que je sente pas ma bouche. Je sens pas. Bref. C'est trop bien les filles parce que c'est, elles sont pas bordéliques en fait, contrairement aux mecs. Des amours, je les aime énormément. Et finalement, toutes, elles sont restées un mois au lieu de genre quelques jours. Parce qu'elles ont aimé la maison. C'est chouette, hein. Et qui fait bon vivre en fait dans la maison, c'est vrai. On le sait que notre maison est chouette. Comment j'ai acheté un nouveau balai, ça a l'air con. Mais en fait, dans notre maison, on a plein de mites. Et les mites, elles laissent comme des nids, pas des nids, mais des trucs bizarres. Mais il y a plein de points noirs là-bas, c'est des trucs de mythe. Et je vais pouvoir les nettoyer avec ce balai qui va servir qu'à ça. Et c'est un monsieur qui vend le balai, qui fait le tour des maisons en fait tous les jours. Un peu tous les jours et qui crie balai, 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 et tu lui achètes. Voilà, il a beaucoup de courage parce que ça t'intéresse, ça remonte. Brigada. Sandra m'a fait de la purée froide. Je ne vais pas manger de trucs chauds. J'ai les lèvres ultra gercées. Je pense que je bois pas assez. En fait, comme je mange pas, je bois pas. J'oublie. J'ai encore une saisie. Là, ça fait plus de 24 heures. Hier, je me suis tapée 7 heures. De minuit à 7h du mat. De Orange et Zone Black. J'adore cette série. Tellement intelligente. Ah, je vais commencer Sex Education. Ça a l'air bien. Je sais pas si c'est un truc d'ado ou pas. Ce qui est chaud, c'est qu'il me manque tellement de dents là. La dentiste, elle m'a arraché une dent ici. J'avais une dent avec une couronne. La couronne s'était cassée, donc elle me l'a arraché. Ici, j'ai un trou. Ici, j'ai pas de dent. En vrai, j'ai plus de dents ici pour manger. J'en ai une vieille au fond là. Donc pendant 6 mois, je vais manger qu'avec les dents de devant. C'est trop fou. Aujourd'hui, on est à un nouveau jeu. C'est un jour merveilleux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est dimanche. Pourquoi tu me dis? Mais tous les jours, sont magnifiques pour moi parce que je ne travaille pas. Mais tous les jours sont magnifiques. Aujourd'hui, c'est un jour magnifique rempli de musique. Notre journée va être rythmée par la musique. All around me are familiar faces. Là, j'ai mis de l'huile de coco et j'ai envie de mettre une odeur d'huile essentielle dans ma maison, donc je vais peut-être Faut une bande et qu'on mettra ça hier mort. Merveilleux. Et foi bon, saber que sua namorada não pode comer. Não foi bom, porque ela gosta muito. Foi difícil. Tá bom. Por que você vai na Colômbia? Por quê? Não sei. Que pena, eu vou para a Colômbia. On se fout de sa gueule. Moi, je parle pas super bien portugais, mais je me permets de me foutre de sa gueule. C'est vraiment incroyable. Bon, j'ai que 2 mois et demi à mon actif. C'est pour ça que je te dis, je me permets de me foutre de ta gueule au bout de 2 mois, alors que moi, au bout d'un an et quelques, je parle toujours pas parfaitement le portugais. En plus, moi, je suis entourée de français. C'est pas pareil. Ok. Ça fait longtemps que j'ai été dans
Ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé par ces escaliers, ils sont beaux hein. Soraya, c'est la première fois que tu viens dans ce marché alors que ça fait 2 mois et demi que tu habites chez moi. Et que c'est le meilleur marché de... C'est le meilleur marché quoi, de Rio? Je sais pas si je peux dire ça. Du centre. Je sais pas non plus, mais c'est un très bon marché. Il est trop beau. Il est super ce marché, il y a tout. Oh, que faux mignon. Elle a trop comme ces bananes parce qu'elles sont chiquées. Ela tem cores curvas.